إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسألة سبحانه وتعالى celui qui passe au faveur nous va prendre ensemble concernant la tafsir des surah al-shams alors sa surah là Allah subhanahu wa ta'ala dit commencer même par wa shamsi wa duhaha. Allah fait serment le soleil et son clarté. Alors Allah subhanahu wa ta'ala commande une djali et nous répète-le. Allah subhanahu wa ta'ala étant créateur de toutes choses, lui dit qu'il doit faire serment le n'importe qui création, le n'importe qui créature qui yule. Mais nous, étant ban esclaves Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas le droit de faire serment excepté le nom Allah. Ou bien l'eau attribue Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un serment, il n'y a doute que ce serment-là lui montre grandeur de chaque chose qui lui fait faire serment l'eau là-là, alors qu'il nous prend compte, ou bien demande pour nous réfléchir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui fait serment l'eau soleil, et c'est un moment quand il peut briller. Alors il n'y a doute que le soleil en lui-même, c'est parmi ma création qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre dans nos dispositions qui nous gagne beaucoup de profit avec lui. À part sur l'éclairage qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre là-dedans, avec ce salaire qui lui donne nous, bien à doute qu'il y en a beaucoup de les autres effets, même l'eau, la peau du monde, même l'eau, le pied, l'eau, la plante. Alors, le soleil, au fait, il amène un grand rôle dans la vie du monde. C'est à travers sa lumière même qui mène de l'eau évaporée et après Allah subhanahu wa ta'ala lui réfère la pluie tombée. Alors tout cela c'est une grande facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, une grande faveur qu'il lui donne à travers le soleil qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin crée. Mais il est important pour nous connaître un petit peu concernant le soleil, sa réalité. Le soleil, c'est une réalité, comment un chercheur a amené pour nous, de dire que ce soleil-là, il est 150 millions de kilomètres depuis la Terre. 150 millions de kilomètres depuis la Terre. Alors ça, c'est la distance que ce soleil-là était avec nous. Malgré cette distance qui était avec nous, là aussi, il y a un moment où on connaît qu'on fait chaud, comment ce soleil-là brûle nous. Là, il pousse nous pour réfléchir. Les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le soleil vient au terre en mille distance l'eau bandimoun. Il y en a d'autres qui, c'est un moment très difficile, qui boubine l'eau bandimoun, qui n'a pas fait les efforts nécessaires pour se gagner sa faveur pour qu'ils viennent en bas trône, en bas l'ombrage trône, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ce soleil qui lui fait créer là, ben, toujours, ben, scientiste, je fais ma recherche, je dis que le soleil, ce parti là-haut, ce salaire qui est avec lui, il est 6000 degrés. Et sur l'intérieur, il est 20000 degrés. C'est un soleil qui nous est trouvé là. Et il n'est pas l'envers, ça c'est le soleil. Qui lui-même, lui pour rendre Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre le soleil avec la ligne, tous les deux pour mélanger dans un, pour mettre autres. Comme des taureaux dans différents enfers. Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'enfer, c'est qui a été sur différents points intenses. Alors, il y a un beau temps pour qu'il va dire que nous réfléchissons, lorsque le soleil qui tous les jours soit aussi brillé, et nous connaissons un petit peu concernant la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Et même le se grandir, alors, il y a. Beaucoup de recherches ont fait la grandeur du soleil comparé avec la Terre. Connaît qui ce soleil-là, comme les chercheurs le disent, 333 000 fois plus grand
qui la terre. Imaginez quand c'est grand, les grands comparé avec la terre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il fait serment le soleil pour nous réfléchir sa grandeur de sa création-là et grandeur de celui qui fait créer. Et aussi, ben, bien fait qui nous gagne avec lui. Alors parmi comme Allah subhanahu wa ta'ala fait attirer l'attention, c'est sa clarté qui nous gagne avec lui. Alors, quand il brillait et clarté qui nous gagnait avec le soleil, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau sa soleil. Wal qamari ida talaha. Et il fait serment aussi l'eau la ligne qui suit lui. C'est-à-dire quand le soleil est couché, là la ligne apparaît. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau une deuxième planète qui, ben, nous a profité avec ça pendant la nuit. Alors, quand il y a la lune, alors Ben Jimoun, je servis ça à l'éclairage qui est dans la lune là pour je faire certaines activités. Alors, il y a d'autres qui sont aussi pour un profit qui Ben Jimoun, je gagne. Et avec la lune qu'on connaît, nous compte Ben jour et Ben mois. Alors, ça, c'est Ben différentes raisons qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer sa Ben création là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Wa nahari ida jallaha. Et diversement, la journée, quand il brillait, c'est-à-dire quand on fait clair, quand il brillait, il brillait par regarder, il brillait par reflet du soleil. Et c'est ça la journée-là qui fait un autre soleil. C'est la journée qui fait un autre soleil. C'est pour ça que, même si on sait quand je fais une montre dans l'espace, je trouve le soleil, comment dire, un petit étoiles dans l'air. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait créer la journée. La journée, c'est une création. C'est à travers la journée qu'il nous trouve le soleil-là, comment il était. C'est-à-dire, c'est ça la journée-là qui fait nous trouver le soleil, soclaté. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ida jallaha. C'est-à-dire, quand ça, la journée-là, il fait un soleil-là, est apparent, briller. C'est-à-dire, nous trouvons ce clan, ce clarté. Ou l'aïli ida yarushaha. Et Allah fait serment la nuit, quand il couvert le soleil avec ce noirté. C'est-à-dire, quand la nuit venait, alors c'est la nuit-là qui couvert le soleil, ce noirté, nous n'est plus trop soleil. Alors, tout cela, c'est une grande création d'Allah subhanahu wa ta'ala qui demande pour nous réfléchir le grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant sa grande création qui, comme on nous lève la tête, nous trouver, wa samai wa ma banaha. Et diversement, l'échelle. L'échelle, c'est sa même création qui est plus grande que nous trouver. Mais ce qui nous connaît, Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît qui, al-arsh, ce trône, c'est sa même plus grande création qu'Allah subhanahu wa ta'ala met nous au courant de ça. Alors, il y a d'autres qui, l'échelle, c'est pas une création qui est bien, bien grande. N'importe qui pays où aller, quand vous voulez vous la tête, jamais vous ne pouvez pas finir trop grandir l'échelle. Si une grandeur d'échelle pareille, un dimoun, quand il était, il n'est pas trop oublié dans ce, l'ensemble, dans sa globalité, mais il est impossible pour un dimoun de trouver Allah subhanahu wa ta'ala dans sa globalité, même les jours du Qiyama, parce qu'il fait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'akbar. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours beaucoup plus grand que ce qu'il nous capable d'expliquer. Et l'échelle, ça, comment dire, la remoutade de cela, mais ça. L'échelle, comment dire, la remoutade de la mais Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, qui quand c'est grand, il est grand. Wama banaha. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit de dire Wama banaha, ben, nous passons, je veux dire, sa main, là, nous comprenons qui. Il veut dire c'est lui. C'est-à-dire, Wama Banaha, Allah fait serment, c'est lui qui fait bâtir lui. C'est lui qui fait arranger ça, laisser là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a le droit de faire serment lui-même. Allah, il a le droit de faire serment lui-même. Ou bien, sa main, Allah, va dire c'est ma masdariya. Ça veut dire, il veut montrer, Allah fait serment l'échelle et sa construction. Et sa construction, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin construit Ali, fin bâti Ali, sans aucune
poteau sans aucune colonne qui s'unit et sur les baissiers qui étaient et sollicité qui étaient, qui ne pas trouver aucun failure là-dedans. Alors, aucun doute qui tout seul, c'est même qui sont qui demandent pour nous réfléchir. Aujourd'hui, on va tohaha. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait serment l'eau, la terre, et celui qui fait un livre dans nos dispositions pour nous servir, il fait un plan ni pour nous, un étang ni pour nous capables de servir, ou bien avec, c'est-à-dire les causes concernant la terre, et sur façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un livre dans nos dispositions, quand il fait un étang ni et nous capables de servir. ونفس وما سواها الله سبحانه وتعالى فيها سيما aussi لو نفس alors chaque l'âme des bandimoun chaque la vie des bandimoun Allah subhanahu wa ta'ala parfois il servit les mots nafs et il permet du moun là en lui-même avec moi ici même beaucoup en facile je dire que nafs c'est un peu la personne Allah subhanahu wa ta'ala peut quoi concernant insan là lui-même Allah fait sema lo insan le nous-nafs, le chacun son nafs, et Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait serment aussi, c'est lui qui fait proportion, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien façon qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une proportion. Alors, il y a d'autres qui, dans nos créations, et dans beaucoup de si clair, qui est un créateur qui fait créer nous, parce qu'il y a un petit délai. Non, il dit tout, qui n'a pas aucune valeur, depuis ça, qui a été insan, Allah subhanahu wa ta'ala, fin créé. Tout le monde, je touche aussi depuis ça, ça c'est un petit délo qui nous tout nous connaît, nous l'origine. Alors voilà, tout ça là, c'est pour montrer, grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait 7 serments. Il n'a aucun surah, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait 7 serments consécutifs. Alors, il y a d'autres qui choses qui pour mentionner après là, c'est un chose qui est très très important. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Alors, Allah fait tout ça entièrement là, pour faire ça, insan là comprendre, faire nous comprendre, qui les finit inspire à nous, tout bon, qui chose qui n'est pas bon, et l'inspire aussi, tout bon, qui chose qui fait avant du monde. Vin vers taqwa Allah, vin vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout le monde, cette nafs, il y a un choix pour le faire. Soit il choisit quelque chose qui amène vers désobéissance à Allah, ou bien vers quelque chose qui amène vers taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, il peut toujours d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décrété, mais aussi, connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre les choix à nous. Allah subhanahu wa ta'ala pas une fausse personne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, vu qu'il est déjà connu, qui nous peut faire, alors à cause ça qu'il finit décrète tout quelque chose, et il finit décide tout quelque chose, mais seulement nous n'avons pas capable de blâmer Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il finit décréter pour nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même qu'il nous fait aller, il déjà connaît, il est déjà au courant. Et qui décision nous prend, il est déjà au courant. Mais c'est pas nous pas au courant de ça. À cause de ça, qui nous oblige à faire bon, nous. N'importe quand un bon présenté, nous obligeons à faire lui. Il n'y a pas de nous, on ne veut pas décréter pour moi faire lui. Parce que ce n'est pas comme ça que du monde réagit concernant ce dunya. Dans le dunya, il y a une personne qui passe un terrain, après, il dit comme ça même, il dit mais si elle a décrété, pour gagner légumes là-dedans, ou bien pour gagner fruits là-dedans, il peut gagner. Non. Il fait ses efforts pour les gagner. Malgré qu'il fait ses efforts seulement, si Allah subhanahu wa ta'ala pas écrit pour les gagner, est-ce qu'il peut gagner? Il va gagner. Mais, l'imam d'un dimon, il pousse lui pour les convaincre de cette chose-là, qui Allah qui contrôle tout, Allah qui décide tout. Mais c'est pas ses efforts, nous faisons faire. Il y a un dimon qui dit, oh Allah, fais-moi gagner beaucoup d'enfants, après il va faire aucun effort pour marier. Après, il vous gagne des enfants, il va vous gagner. C'est fait, c'est faux. C'est faux, nous devons faire. Mais si on finit marié aussi, Allah subhanahu wa ta'ala pas un décret pour gagner des enfants, ou pas pour gagner des enfants. Alors, côté de l'union, personne n'a pas réservé destin comme une preuve. Mais parfois, on va désobéir.
Alors, je dois faire croire que je vais entendre aux autres, Allah qui décide ça, Allah qui décide ça pour eux. Mais tu aussi dois entendre. Qui fait, un dimon, il n'est pas pour accepter si un dimon est venu donner des décalotes. Il dit, allez, tournez, Allah a décrété pour mon bateau des décalotes. Il y a allez. Il vous dit, ouais, correct, Allah a décrété ça, moi d'accord, vous armez, vous d'accord. Alors, lui aussi, il est pour en colère, lui aussi, s'il a battu, il est pour battre. Alors, qui fait, parce qu'il n'est pas accepté. Qui s'agit de servir destin comme une preuve. Alors, ou si vous n'avez pas le droit de servir destin comme une preuve, pas désobéir à Allah, vous dites Allah qui ne fait ou désobéir. Non. Allah, subhanahu wa ta'ala, il connaît qui vous faire ça. Allah, il finit de décréter ça pour vous, mais où avant vous faire sa désobéissance ça. Ou c'est un choix, ou pas c'est un choix, ou c'est un choix. Alors, ou pas bien acquise Allah, acquise vous-même. Acquise vous-même pour penser qui vous fait, qui vous fait, qui vous fait faire. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, les dire quand aflaha man zakkaha. Alors le fin faire la réussite de sa personne là, c'est lui qui purifie ce nafs. C'est lui qui purifie ce nafs pour vivre dans l'obéissance à Allah, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en premier, parce qu'un dimon, il n'est pas capable de purifier lui si lui est un shirk avec lui. Alors un dimon pour lui purifier lui, il a besoin de l'autawhid. Et il n'est pas pour purifier lui si il se met en action. Pas d'après Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si il fait un bid'ah, il y en a d'autres qui ne peuvent pas purifier. Et comme ça, il n'est pas pour purifier lui s'il peut faire un PC. Alors, il dit, respect de vivre un PC, si ça il tombe dans un PC, si il dit pardon avec Allah, c'est dans sa façon-là qu'un dimon purifie lui, il purifie son l'âme depuis un PC. Alors, dans Surah Al-Balad, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une cause concernant les fins. Dirigeons vers les deux chemins, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Alors ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il détaille les pistes. Alors ça, c'est la relation qui est entre Surah Shams et Surah Al-Balad. Quand Allah subhanahu wa ta'ala détaille, si mais qui vous apprend, c'est le chemin, malgré qu'il a passé l'éclair, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il plus détaillé pour qui Dimoun n'a pas aucune excuse les jours du Qiyam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il montre qu'il fait une. Fini mettre les deux chemins devant nous. C'est nous qui nous choisirons, mais seulement c'est lui qui purifie nous pour vivre dans l'obéissance à Allah, pour signifier le tawhid, le sunnah, l'obéissance. C'est lui qui peut être parmi nous, qui peut faire la réussite. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qad khaba man dassaha. Alors, lui, il peut faire faillite, il peut faire échec, il peut parmi nous pied d'or. Si les filles corrompent sur l'équerre, les filles corrompent pour faire un PC, pour faire chir, pour faire bidar, pour faire un PC, et ils ne pas faire tauba, ils ne pas retourner vers Allah. Alors n'importe qui s'en a qui salir sur l'équerre, pour sur nafs, pour un PC, corrompre sur nafs, pour un PC, peine à doute qui dit pour faire défaite les jours du Qiyama, il fait échec les jours du Qiyama. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'exemple d'un peuple. Qui se fait montrer arrogant et se fait transgresser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, je parle de purifier eux. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la force qui je tiens, malgré la qualité que je tiens, mais la désobéissance qui finit dans eux, Allah subhanahu wa ta'ala finit eux pour cette désobéissance et Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il n'y a pas peur aucune conséquence des eux. Alors, l'eau la terre, un dimon s'il y fait un. Dito à une personne, alors il est capable toujours de vivre dans la prière, attention, lui aussi, il aide et finalement il apporte dito. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui est en capacité de lui, Allah lui est en capacité de l'autre. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, lui dit Kadzabat Thamoudu bitwaghwaha. Le peuple Thamoud fait démenti, c'est ce qui, ce prophète, le peuple Thamoud, c'est le prophète Salih alayhi salam, c'est lui ce peuple ça. Alors, il fait une invite pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, je fais une démenti. Je fais une démenti qui est un prophète depuis Allah, je fais une démenti tout bon avertissement qui lui fait amener de la part d'Allah, et je démenti tout bon l'autre qui lui fait ordonne je peux faire, ça veut dire je fais le contraire de ce qui lui fait donne l'autre. C'est-à-dire, je fais une transgresse ma limite. Je transgresse ma limite pour faire ma question, les contraires de ce qui s'approprient là, je fais une demande pour faire
Et sa prophète-là n'est pas venu aux deux autres, excepté par l'autre qui est sorti depuis quand Allah subhanahu wa ta'ala. Et Zimbaratha Ashkaha, quand celui qui plie pire pour les autres, les filles viennent de l'avant pour lui faire une plus mauvaise action qui est capable, dans sa époque-là, apprécier. Alors, toujours nous rappelle, mon frère et ma soeur, qui, tout mon peuple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit détruire eux. Ce n'est pas juste à cause de péché que je viens faire. Mais premier est la shirk. Ensuite, en ce shirk, ensemble avec le shirk, je couvre qu'ils ont fait faire. Et là, je viens faire certaines malnaisons de péché. Alors, avec ce shirk qu'ils étaient déjà énormes, alors, sa personne-là, qui les fait faire? Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Alors, je prophète, ça veut dire, Saleh alayhi salam, les fait dire à je, qui ça c'est. La chamelle d'Allah. La chamelle d'Allah, qui fait la chamelle d'Allah, tout chameau pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais sa chamelle-là, c'est un signe clair de la part d'Allah, un miracle, qui, les prophètes Saleh alayhi salam, dans plein désert, lui fait Allah subhanahu wa ta'ala, fait faire un grand chamelle sorti, dans plein désert, un grand chamelle, comme un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un miracle. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa chamelle-là, c'est un lit si grand, qui joue, qui lit les bois, c'est-à-dire aucun chameau ne peut avoir bois. C'est-à-dire, il y a un jour pour lui, et un jour pour man, les autres tours pour les autres bois. Et ça vaut, ce nature est comme ça, qui quand il boit un coup, il est capable de rester plusieurs jours. Mais pour grandir, qui sa chamelle-là, tu étais, sa chamelle-là, tu étais, et l'eau-là, man. Maintenant, tu peux profiter avec ce gilet qu'il te donner. Malgré ça, les plus pires parmi ces personnes-là, qu'ils viennent faire, parce que Zabouhou Farakarouha, je tout fin désobéir. Sa prophète-là ne porte pas d'un droit sa chamelle-là. C'est-à-dire, je ne transgresse limite à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah finit dire, je ne peux pas priver des autres ports. Il y a un jour pour sa chamelle-là, après les réseaux pour ça. Mais seulement, maintenant, je n'ai envie de transgresser la loi Allah. Je n'ai envie de montrer le plus faux qui ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Alors, les plus pires, avec consentement de tout le les restes, malgré qu'il y a une seule personne qui vient faire aller, mais qu'est Allah subhanahu wa ta'ala, quand man dit mon, je tout peux être d'accord pour aller de l'avant avec un mauvais travail. Mais seulement un seul faire un mauvais travail là, Allah subhanahu wa ta'ala considère je tout pareil. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Fakat Zabouhou, je tout vite démenti. Le prophète Saleh alayhi salam, Farakarouha, ça dit monde qui plie bien là, lui qui fait couper, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit je ne coupe plus. C'est-à-dire je tout fin tuy sa chamelle là, Fadamdama alayhim rabbuhum bidambihim fasawaha. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, fin descend sur calamité, sur punition aux autres, dans toutes directions. Dans toutes directions, ça veut dire, dans toute façon, qui gagne punition là, bien même, alors Allah subhanahu wa ta'ala fin considère tout égal pour sa PC, qui se tout, fin d'accord pour aller de l'avant avec ça là, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, il fin trappe qui vient, pour le PC que je viens faire. Et ça, c'est sunnat Allah subhanahu wa ta'ala dans toute l'époque. Allah subhanahu wa ta'ala ne trappe du monde quand du monde peut vivre dans son obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala ne trappe du monde quand du monde vit dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fakullan akhadna bidhambihi » Chaque peuple, nous fait une trappe d'autre qui fait pas un autre péché. C'est pas un péché qui du monde fait sur la terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui descend sur punition. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente sur punition. L'homme maintenant, une punition bien sévère, que maintenant fait une bine, c'est-à-dire, bout, mousso, à travers quelqu'un, à travers sa désobéissance qui finit non, des autres pas, quand je fais une coupe sa chamelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une envoyée. Et sa sourd alors, comment certains manouls vont dire, Allah fait commencer par la chambre, c'est Manoula Masia Bessa sur la chambre. Il dit parce que ça signe, ça miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait
faire pour Saleh alayhi salam, l'éclair pareil comme le soleil. L'éclair pareil comme le soleil. Ça veut dire, depuis le désert, man arabe qui s'est dans l'époque des Saleh alayhi salam, je trouve comment Allah subhanahu wa ta'ala finit sa chamelle-là depuis le désert. Un grand signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui l'éclair comme le soleil. Mais malgré ça, je démentis sa prophète-là pour la vérité qu'il vient avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite détermine sa surah-là, il dit « Wala yakhafu uqbaha » Et Allah subhanahu wa ta'ala n'y pas payé aucune conséquence. Parce qu'il vient de dire « Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui contrôle partout, peine à personne qui est allé dessus l'eau, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui qui l'a aux tout, il y a il y en a capacité aux tout, il y en a contrôle aux tout, et ce qu'il fait, personne n'est pas capable de défendre même ça. Si tant Allah subhanahu wa ta'ala, il faut. Et quand Allah décide de ça, il prend place. Peine à personne qui retourne, décision Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pas laisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait décider, prend place. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, plusieurs places dans le Coran, les films montrent nous différents peuples tyrans, différents peuples désobéissants, différents peuples arrogants, comment Allah subhanahu wa ta'ala finit. Alors, il y a un doute qui, là-dedans, il y a une grande leçon pour nous, qu'il ne faudrait pas nous, et nous avons une mauvaise qualité là dans nous, mais au contraire, nous devons montrer nous, comme un vrai esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons purifier, nous les créer pour faire. Une bonne action, nous signifions le Tawhid, nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons avec Allah, nous pas attachons sur le cœur avec Jimoun mort, ou bien avec Jimoun, ou bien avec les autres créatures, mais nous attachons sur le cœur, disons avec Allah subhanahu wa ta'ala, tout nous va nécessiter, nous tournons vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah est riche, il est capable de nous tout qui chose, Allah est les faux, qui est capable de protéger nous depuis tout qui chose, il y en a d'autres qui s'éveillent lui tout seul, qui nous fait tout nous vendre des morts, et nous vivons dans son obéissance quand il finit haut de nous. Nous faisons des choses, nous faisons les. Mais la doute, c'est là-dedans qui est dans, nous dit bien, et c'est là-dedans qui est dans nos réussites, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît. Sinon, nous pas pour accepter, mettre nous-mêmes dans un problème si nous vivons dans des obéissances à Allah. Alors, je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour qu'il nous vienne pour une bonne qui nous purifie, nous, pour vivre dans son obéissance et nous pas vivre pour une bonne qui s'allie à nous. Parmi dans sa désobéissance, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.